Bonjour Michel, vous vous souvenez de cette loutre qui n'aimait pas l'eau? Eh bien les choses changent. Elle a eu de nombreuses semaines d'hésitation, mais maintenant elle y va de bon cœur. Et il y a quelque chose qui me rassure, puisque dans un enclos comme ça dans la forêt, elle reprend tous ses instincts, et l'un de ses instincts, c'est de faire sa tanière, ce qu'on appelle chez l'outre une catiche. Elle a creusé la souche pour s'en faire sa maison, et c'est ce que ferait une loutre dans la nature. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, parce que dans son enclos, il semble y avoir un invité surprise. Il y a un terrier, et je pense que c'est le terrier d'une mygale, et la loutre a déjà essayé de le gratter. Alors normalement, évidemment, on n'y touche pas, mais là, pour la sécurité de la mygale et de la loutre, on va être obligé de l'attraper pour la relâcher plus loin dans la forêt. Je commence à voir la mygale, je pense que... elle est belle. C'est dangereux pour toi. Non, non, non. Voilà, une énorme mygale. Heureusement que je l'ai attrapée, parce qu'elle pourrait très bien tuer la loutre. C'est un venin très dangereux. Et vous allez voir la taille de ses crochets. Il y a plein de choses à apprendre des mygales. Et notamment, il y a quelque chose qui a toujours fasciné les réalisateurs de films de fiction. C'est qu'elle est capable de régénérer toutes les parties de son corps. Si jamais elle perd une patte, eh bien sa patte va repousser au fur et à mesure des mues. Elle est magnifique. Magnifique. Alors les mygales, en Afrique et en Asie, contrairement à celles qui se trouvent en Amérique latine, n'ont pas de poils urticants. Mais par contre, elles ont vraiment un venin très, très méchant. Donc ça me plaît pas de lui avoir détruit sa maison, évidemment, mais c'est vraiment pour des questions de sécurité, et pour elle, et pour la loutre. Allez, maintenant je vais te relâcher dans la forêt. Déménagement. Et ces petites bêtes peuvent vivre plus de 20 ans. Donc ça, c'est un poisson vivant. On va voir si elle est capable de l'attraper par elle-même. Allez! Elle l'a eu du premier coup. Elle joue avec maintenant. Quelques semaines d'entraînement, et puis ensuite, je l'emmènerai dans une vraie rivière.